Salut Internet. Salut Internet, je suis Fred, le boss de V8. Alors merci à tous d'avoir participé à ce jeu concours, vous avez été nombreux. Non mais ça va, tranquille Emile, tu coupes mes intros, y a pas de problème quoi. Vous avez tous été inspirés et on a bien rigolé. Le choix a été difficile, mais on a notre gagnant. Tant pis, continue le bougre, il fait comme si j'existais pas surtout. Hein. Non mais y a pas de problème, hein. T'inquiète. Pour le donc le, je vous rappelle, le cadeau c'était un YDR, un sac d'hydratation. Donc le gagnant est Fred Vigerie. Bravo Fred. Bravo Fred. On a bien aimé ton commentaire à base de mots qui commençaient par 8. Maintenant, Fred, il va falloir que tu nous fasses des photos avec ton sac en situation. Et avant de vous quitter, j'ai cru comprendre que mon déhanché vous avait plu par rapport aux commentaires qu'on a reçus. Oh non, s'il te plaît, quand on sait pas danser, on s'abstient. Donc... On va apprendre à danser, s'il te plaît. Bon, Internet, c'est pas tout, mais il y en a qui bossent, ok? Donc, on se dit à la revoyure. Moi, je vais remettre au travail. Bon, voilà, Internet, merci à tout le monde d'avoir participé. Un gros merci à V8 de me suivre depuis toutes ces années. Super content qu'on ait pu te faire gagner un sac, Internet. C'est V8 qui a choisi le gagnant, parce que c'était quelque chose de ultra subjectif. Et vu que je connaissais les participants, je voulais que ça soit vraiment fair. Donc c'est pour ça que c'est eux qui t'annoncent le truc. Et puis, c'est eux qui le font gagner quand même, donc c'est juste normal. Allez, à la revoyure. C'est moi qui ai le dernier mot. Ah, et puis si j'oubliais, Fred... Non, pas toi. Le vrai Fred, celui qui a gagné. Envoie-moi un mail sur mon site, le lien est en description, avec tes coordonnées, comme ça je les transmets à V8, puis tu vas recevoir ton sac.